Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Rencontre du Deuxième Type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. On se retrouve à la belle, à la fraîche, au soleil, dans notre voiture. C'est surtout la mienne. C'est surtout la tienne. Oui, c'est la mienne pour le coup. La Juco Mobile. C'est la Juco Mobile. Alors, test PCR s'il en est. C'est-à-dire négatif. Négatif. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, voilà. On a fait un petit test PCR tranquillou bilou 2 jours avant. 48 heures. Ouais, c'est ça. Et puis, pour être sûr, pour que personne prenne de risque, voilà, pour qu'on qu'on puisse enfin se retrouver dans la bagnole, parce qu'on en avait un peu plein le cul des visios, même si ça dépanne et que c'est cool. Ça dépanne et c'est cool, et il y a pas mal de gens dans les commentaires qui nous disaient c'est quand vous allez revenir dans la voiture. Et ben voilà, là on est dans la voiture, et là c'est du frais, parce qu'il y en avait eu, mais c'était pas c'était du frais. C'était du dernier enregistrement, l'été dernier. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une BD, d'un comics un petit peu dracounaire que je t'ai prêté. Tu m'as prêté. Ce qui n'est pas arrivé, ça fait longtemps qu'on se prête des trucs parce que du coup on se voit moins. Et voilà. Le Venom de Donny Cates et de Ryan Stegman. Stegman, exactement. Non mais c'est Ryan. C'est ça Ryan. Stegman. C'est le père Ryan. Ryan Stegman. Alors sur le deuxième il y a plus. Il y a Coelho, Paulo Coelho. Et Cassara. Patricia Cassara. Que ça m'avait manqué. Alors le pitch. Alors déjà qui est Venom? Qui c'est? Qu'est-ce que ça est? Moi, tu veux que je fasse le résumé de Venom? Vas-y. C'est un ersatz de Spawn. Sachant que Venom a été créé avant Spawn, si je ne m'abuse. Et non. Donc qui est l'ersatz de l'autre? Alors là. Si. Ah mais je pense que ah, oui. Ah si, Todd McFarlane. Je pense que carrément. Tout à fait. Ce qui est sûr, parce que l'autre jour quand on en a parlé, j'ai regardé pour pouvoir, tu vois, te mettre un taquet là-dessus. Et donc effectivement, c'est Venom qui est arrivé en premier. Forcément, effectivement, il y a des similitudes avec le truc. C'est un journaliste du Daily Bugle qui... Alors là, je fais le truc très tout court. Qui est donc renié, mal aimé, machin, mais en même temps... C'est un con. En même temps, il a des bugles. Voilà. Ouais. Et donc, il revêt le symbiote qu'avait Spider-Man tout à la fait. Base. C'est Spider-Man qui avait ce symbiote tout au à départ. Fait. Donc, lui, le récupère. Et il est plus en symbiose, le symbiote, avec Eddie Brock. Tout à fait. Et donc, ils ne font qu'un, ou plutôt, ils font deux, ou il fait deux, plutôt, puisqu'il dit souvent « nous sommes ». Le mec, tu vois, parle de lui à la troisième personne. C'est ça, c'est assez théâtral d'ailleurs, cette façon. Ouais, mais d'ailleurs, comment on dit quand c'est. Parce que c'est pas à la troisième personne, c'est à la. Parle de lui à la deuxième personne du pluriel, du coup. Ah, il se tutoie, tu veux dire. Il se tutoie, il se dit nous. Donc c'est quand même spécial. C'est un nous de majesté, quoi. Voilà. C'est un truc comme ça. Et on est effectivement déjà à la base dans un truc, comment dire, bipolaire, presque. Ah bah là c'est schizophrénie à fond quoi. C'est, mais où tu sais pas vraiment qui décide quoi, quand, et du coup voilà. Et donc, à la base Venom est un méchant, à la base Venom est une créature qui veut défoncer la gueule de Spider-Man avant tout. Là on n'est plus tout à fait là-dedans, on est sur un Venom qui est plutôt du côté gentil. Même s'il faut pas trop lui casser les murs. Venom, c'est ma comparaison avec Spawn tout à l'heure, elle est pas anodine parce que on a ce côté aussi où le symbiote, même le symbiote lui-même, il a envie de faire le bien, mais son essence même, elle est maléfique. Elle est maléfique, mais ça revient de temps en temps et c'est ça qui tiraille un peu. Pour le coup, ça c'est vraiment, je trouve que le personnage a évolué de ouf, tu vois. Ouais. Au début, c'était vraiment quelqu'un de démoniaque et totalement, quelqu'un de maléfique. Méchant, c'était un super vilain. Ouais, voilà, c'est tout. Et vraiment, il apprend de son... C'est con ce que j'aime, il apprend de son vécu. Il apprend de sa vie avec Eddie Brock. Ouais, totalement. Et puis alors en plus, il a pris, si je dis pas de conneries, il a été aussi le symbiote de Flash Thompson, qui était handicapé. Et c'était aussi une histoire très... Je crois que c'était avec l'agent Venom. C'était un truc que moi, que je trouvais hyper intéressant parce que justement, le mec qui a les deux jambes paralysées, je crois, enfin, ou coupées, non, paralysées. Et que pour pouvoir marcher, il a besoin du symbiote. C'est ça. Il a une espèce de dépendance, interdépendance, quoi. Bah, carrément. Et puis, c'est vraiment de l'entraide. Et je trouvais que c'était hyper intéressant aussi de le voir comme ça. Et là... voilà. Donny Cates, quoi. Mais... Moi, qui ne suis pas un lecteur assis, enfin que j'ai pas beaucoup lu de choses de Donny Cates, ni vu de choses de Ryan Stegman, franchement, j'ai pris un grand plaisir à lire
le scénar et à voir les dessins, parce que c'est une franche réussite à ce niveau-là. Franchement, on est sur un titre qui est hyper bon, puis qui est un super rythme. Mais je vais en parler peut-être plus tard, mais surtout sur le premier tome, sur le premier numéro, le premier tome, j'ai un bémol, un gros bémol. Encore une fois, par rapport à Spawn, on avait parlé en la conv. Même si, comme tu as vérifié, le personnage a été créé avant Spawn, mais il a pas été créé dans ce... à la place de Venom, tu mettais Spawn, bah, c'était pareil, voire mieux, quoi. Ah mais moi je trouve pas. Et que parce qu'il y a ce côté Spawn qui... Venom, pardon, qui se bat contre son essence, enfin, Eddie Brock qui essaye de se battre contre l'essence du symbiote, c'est-à-dire l'essence maléfique, et qui arrive la plupart du temps, et qui arrive à établir une relation avec lui. Et ce côté aussi, rapport avec la divinité, plutôt ici la démonerie. C'est ça qui m'a fait penser tout du long. Puis le rapport aussi avec certains personnages qui m'ont fait penser à des anges gardiens qu'on voit dans Spawn, ou des diables, ou des démons dans Spawn. Mais le deuxième tome m'a fait dire après que c'était pas déconnant qu'on commence comme ça, et après qu'on continue comme on l'a fait. En fait, moi ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que le Venom de Cates, comme tu le disais déjà, moi effectivement je le trouve hyper bien rythmé. Ouais. Je trouve que c'est ouf parce qu'il s'inscrit dans un tout. Et en fait, je pense que... Alors moi, le seul rapport que je vois avec Spawn dans son traitement, en fait c'est le méchant. Si t'enlèves le méchant, je trouve que le caractère Spawn s'efface quand même vachement. Là, effectivement, on a affaire à un méchant hyper maléfique dans le sens démoniaque, tu vois. Et du coup, effectivement, ça, c'est un truc qui correspond vachement à Spawn, quoi. Mais tu mettrais un autre méchant, au final, je trouve qu'il n'y a pas cette... Là, tu vois, le côté cohabitation, ça n'existe pas plus que... Enfin... Ouais, mais il y a ce côté tragique aussi du personnage, où de toute façon, quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'on sait, qu'on connaît sa fin, et que lui-même, il a une espèce de monologue. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il se parlait lui-même. Ah bah forcément. Et Spawn, c'est ça, en fait. Spawn, même s'il ne parle pas à son symbiote, il y a une forme de monologue intérieur où il va constamment se poser des questions son essence, sur l'essence du monde, sur pourquoi il est là. C'est là où, pour moi, c'est pas pareil. Et c'est moi, je trouve que c'est... Ça, justement, j'ai vu de ce point de vue-là, j'ai vu des similitudes avec Spawn. Pour moi, il parle à quelqu'un d'autre. Et comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai lu le premier tome, ça m'a clairement fait chier, parce que je me suis dit, attends, c'est quand même... Il s'est pas foulé Donny Cates. Et c'est en lisant le deuxième tome. Ouais, je suis pas du tout d'accord. Mais en lisant le deuxième tome, j'ai trouvé justement que c'était. Ah non, mais moi, c'était dès le premier. Dès le premier, je trouve. Et voilà. Le truc aussi, c'est que le fait qu'en plus, il te pose ses couilles sur la table en te démontrant par A plus B que ça fait partie d'un tout. Bien sûr. Et que si je dis pas de conneries, je sais plus si c'était dans le 1 ou dans le 2, mais tu revois une case que tu as vue dans. Thor Massacreur de Dieu, avec tu sais l'espèce de soldat doré, ouais, le soldat. Ouais, tout à fait. Donc voilà, rien que ça, je trouve ça ouf. Le méchant, c'est Knull, hein, c'est ça, ouais. Qui est putain de badass. Ouais, et là, par contre, effectivement, je te rejoins complètement dans le fait que ça puisse faire penser à Spawn parce que sur ce côté démoniaque. Et puis moi, j'aime bien le côté, ils peuvent pas se passer l'un de l'autre, et puis des fois ils s'inquiètent l'un pour l'autre. J'ai vachement. Et puis ce côté, je sais pas si tu te souviens, mais notamment dans le premier tome où il veut le calmer en fait. Ouais. Et il veut le calmer et je crois même qu'il le shoot, il le shoot pas de Médoc, justement pour qu'il se calme pour la voix intérieure se teste, parce que pour justement. Que lui, pour qu'il reprenne le dessus. Ouais, puis il est appelé constamment totalement. Par Knoll, tout ça. Enfin, et franchement, on dirait la marque. Il n'y a pas une marque de Médoc qui s'appelle Knoll? Un truc, tu sais, pour l'FGRC ou je sais pas quoi. Non, je sais plus. Et il y a aussi dans ce tome Miles Morales. J'ai surkiffé dans ce tome. Ouais, c'est vrai. Et j'adorerais. Ben... Alors, déjà. Donny Cates, je kifferais de ouf. Qu'il fasse un du Spider-Man. Je kifferais encore plus qu'il fasse du Miles Morales. Et moi, j'étais content d'avoir lu Miles Morales avant d'avoir lu Venom, parce que justement, d'avoir vu le personnage apparaître dans ce tome-là, ça m'a. Bah, j'ai compris, quoi. Ça m'a parlé pour le coup. Et tu parlais du caractère shakespearien. Totalement. Alors, non, on est totalement dans ce côté tragique, tragédie.
Et je trouve que il y a de plus en plus de comics qui récemment qui sont dans ce côté tragédien qui j'adore. Mais moi, je trouve que là où Kate est super fort en fait, c'est que parce que là du coup je revois les pages tournées, moi forcément je l'ai pas lu depuis que je l'ai pâté, tu vois. Et du coup je pense à d'autres trucs, mais il a une capacité à amener des nouveaux persos, amener des nouveaux concepts, te pondre une mythologie de ouf. Totalement, c'est clair. Mais ne pas réussir à te perdre. Alors c'est complexe, mais effectivement ça c'est pas compliqué. C'est carrément lisible. Ouais, c'est totalement lisible. Ouais, c'est ouais. Complexe, ça je suis d'accord. C'est carrément. Mais et puis quand t'es du coup c'est bien fait, quoi. Toi c'est le cas. Mmh. Quand t'es un nouveau lecteur du truc, t'es pas perdu et tu raccroches les wagons. Du tout. Alors qu'il y a déjà eu une continuité de ouf. Du avant, tout, quoi. J'ai pas du tout été perdu. Et j'avais l'impression d'ailleurs de lire un vrai tome 1, quoi. Ouais. Et pas quelque chose qui s'inscrit dans une continuité comme tu dis. Et même si évidemment avant il s'est passé des choses forcément, mais moi j'ai vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et comment il s'appelle, Venom, c'est pas un personnage qui me bottait avant. Mm-hmm. Maintenant que j'ai lu ces deux tomes que tu m'as prêté là, j'ai vraiment envie d'en lire plus sur lui, pas sur Venom dans Spider-Man, tu vois ce que je veux dire. Un truc propre à Venom, quoi. Moi Venom, j'avais lu les classiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le comment il est devenu Venom, tout ça. J'avais lu quelques trucs, je me demande si j'avais pas lu Je suis Venom aussi d'ailleurs. Ouais. Et bref, j'avais lu quelques trucs, mais j'avais lu l'agent Venom de Remender et Tony Moore, il me semble. Et c'était putain de beau. Et c'était chouette, quoi. Et là, en tout cas, c'est ouf à quel point c'est renouvelé, c'est dynamique, tu te prends une grosse claquasse dans ta gueule, quoi. Là, moi, j'ai acheté le tome 3 et du coup, je suis un peu réticent au truc, même si je comprends complètement. Venom s'inscrit complètement dans Absolute Carnage et tout ce qu'il y a, et ça va sortir. À l'heure actuelle, c'est pas encore sorti, nous, en France, en VF. C'est carrément logique qu'il y ait, à un moment donné, qu'on fasse un point sur où il en est Carnage, ce que c'est, machin. Donc, encore une fois, je l'ai pas encore lu, mais il semblerait que le tome 3 soit consacré entièrement à Carnage. Et je t'avoue que j'achète Venom, j'achète pas Carnage, quoi. Donc ça, même si j'adore Carnage, et là d'ailleurs je suis en train de relire en ce moment un Maximum Carnage, où on entend parler de Venom, on voit Venom et tout. Et puis voilà. Et puis dans celui-là, Eddie Brock, je le trouve, mais c'est encore une fois à l'image de Donny Cates, je le trouve cool, badass, et puis vraiment, ouais, il a un côté cool, serein, blasé de tout. Tu vois, inexorablement, il sait vers quoi il tend, vers quoi il va. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hyper cool. Puis les dessins de Ryan Stegman. En fait, c'est. Comment dire, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, ce bonhomme. Mais en tout cas. Ça va tout à fait avec le personnage de Venom ou de Eddie Brock, quoi. C'est vraiment, j'aurais pas vu un autre dessinateur sur ce titre, quoi. Moi j'ai eu peur, hein, quand j'ai commencé à lire en Venom. Moi, je me suis dit, putain, quand j'ai commencé à avoir en plus la similitude avec d'autres personnages, avec Spawn en particulier, j'ai eu peur. Mais plus tu rentres dans l'histoire, comme tu disais tout à l'heure, c'est très complexe. Donny Cates, il arrive à t'emmener là où il veut. Et c'est très très fort. Et il dose très très bien les différentes émotions, les différentes sensations que tu peux avoir. Là, je voyais des explosions. Il en fait pas trop, mais il en fait juste ce qu'il faut. Les émotions aussi du personnage d'Eddie Brock, quand il se pose des questions, quand il n'est pas forcément heureux, quand il est dans le doute. C'est hyper bien dosé aussi. Ouais, je sais pas si j'irai sur le tome 3, parce que peut-être que le fait que ce soit sur Carnage, un personnage que je connais pas. Oh bah franchement, si, quand même. Ouais, mais en Carnage, cas, c'est un putain. Carnage, pour moi, bah alors après, je sais pas si les gens sont d'accord avec moi, hein, mais c'est un mix parfait entre Venom et le Joker. D'accord. Et c'est vraiment un truc comme ça, c'est-à-dire que le mec, c'est le chaos, point, tu vois. Et c'est juste qu'il a les pouvoirs de Venom aussi. Et c'est un psychopathe qui a récupéré les pouvoirs de Venom, en fait. Et ça a donné Carnage. Mais je trouvais en plus que le tome 1 peut presque se lire comme une histoire complète. Totalement. T'as un très très grand méchant, un truc qui. Et une fin, quoi. Mais, ouais. Et puis il y a un début, un milieu, ouais, une fin. Finalement, le Venom, c'est avec le tome 2 où on revient sur une histoire un peu plus classique. Et où on est sur un Donny Cates après ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc on va essayer de pas spoiler quand même. Non, mais... Là, on a une histoire un peu plus personnelle sur sa famille. Sur son histoire. Ouais, sur son histoire à lui. Sur son rapport à sa famille, à son symbiote.
Et on arrive sur un truc un peu plus régulier. Je trouve que le tome 1, il pète comme un event, en fait. Tu vois totalement, ce que je veux dire ? Totalement. Il se passe un gros truc dans le tome 1, quoi, vraiment. Et on arrive sur une série un peu plus dans la régulière avec le tome 2. Et puis bon, après, moi, c'est ce que je te disais en off. J'aime bien le fait. En fait, il se sert du fait que le symbiote peut changer de forme, tout ça. Mm-hmm. Et en fait, il balade son symbiote, c'est-à-dire que pour le caractériser, ce qui est pas con du tout. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu que son symbiote soit en lui ou soit en dessous ses habits, et en gros, t'entends juste sa voix, Donny Cates a fait le choix de le matérialiser en forme de chien, en fait. C'est un espèce de, je sais pas, pitbull. Ouais, c'est ça. Ouais, un molosse, quoi. Un tu vois, molosse, ouais, c'est ça. Ouais, forcément, hein, c'est Venom, hein, ça va pas être un caniche. Ça aurait été drôle. Je trouve aussi hyper classe de le. Ça brouille des pistes. De lui donner une forme, en fait. Et de lui. Il a une vraie relation avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, je trouve ça pas mal, mais il y a ce côté laisse. Je comprends pas pourquoi il y a une laisse, en fait. Il aurait très bien pu faire les mêmes cases sans laisse. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, peut-être. Mais non, mais le chien qui le suit, puis c'est tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a quand même ce côté je retiens en laisse. Ça veut peut-être aussi dire quelque chose, hein, sur le fait que il retient en laisse une machine à tuer, peut-être. Ouais, et puis peut-être aussi il tient en laisse, parce qu'il va, il a, comme on disait tout à l'heure, il y a un rapport avec sa famille, un rapport avec son histoire familiale. Ouais, et peut-être qu'il retient Venom, qui est caractérisé par un chien, et qu'il le tient en laisse. C'est peut-être qu'aussi Eddie Brock retient en laisse son aversion, son mauvais côté, quoi. Son mauvais côté, et puis le fait qu'il a il a de la rancune envers son passé, quoi, envers peut-être sa famille et son passé, tu vois. Et donc, en retenant Venom, qui symbolise quelque part tout ça, en laisse, il retient pour éviter d'être hyper violent, quoi. Et j'ai trouvé ça assez bien fait, parce que le fait qu'on dissocie les deux, Venom et Eddie Brock, à l'image, dans les cases, ça nous montre aussi qu'Eddie Brock, il n'est pas tout gentil. Non, c'est quand même le gars, il a un peu de Venom en lui sans avoir Venom en lui, tu vois ce que je veux dire fait. Et il est en osmose avec avec Venom, même si il l'a pas en lui, même s'il revêt pas le costume de Venom, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça génial, ce côté, encore une fois, c'est typique de ce qu'on peut connaître dans des tragédies, et surtout des tragédies antiques, où on a ce rapport à la famille, ce rapport aux origines. J'ai trouvé que Donny Cates, il avait été puisé dans pas mal de références, que ce soit de la pop culture ou même de la littérature et de la culture classique. Et le deuxième tome, il a pris tout son sens pour moi. Mais je trouve que, encore une fois, ce que je trouve cool, c'est que ça reste une série fun, dynamique, machin, mais qui s'inscrit dans un tout. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire. C'est vrai. Et puis elle est profonde, cette série. Franchement, elle traite de sujets qui sont profonds. Elle traite de thèmes, et puis elle nous renvoie aussi à certaines choses chez nous. En fait, chacun d'entre nous peut se reconnaître dans certains aspects, et de Eddie Brock ou de Venom, mais aussi dans d'autres personnages. Le personnage de son père, Eddie Brock, le personnage de... On a ici toute une palette de références que fait Donny Cates, qui... Mais super bonne, quoi. C'est Le 2 est beaucoup plus perso. Le tome 1, on est beaucoup plus dans quelque chose de lui, le symbiote, sa relation avec, et le symbiote appelé par Knull, ses semblables. Et puis on est plus sur l'origine, quoi, du symbiote. Ouais, de ce qui... Alors, bah, ouais, dans le tome 2, on est sur ses origines à lui, à Eddie Brock. Ouais. Et justement, le lien que je faisais tout à l'heure avec le fait que le tome 1 prenait tout son sens en ayant lu le tome 2, bah, carrément, puisque on voit dans le premier tome les origines de Venom, et dans le deuxième les origines d'Eddie Brock, et on se rend compte qu'il ne pouvait pas se passer autre chose que la rencontre des deux, et le fait que les deux deviennent indispensables l'un à l'autre. Ouais, non, franchement. Et c'est ça qui est top, je trouve que dans... Et ces deux tomes se suffisent à eux-mêmes. Alors déjà, chacun des tomes, les deux tomes se suffisent à lui-même, mais les deux tomes, ils pourraient s'arrêter là, quoi, je trouve. Non, ça pourrait s'arrêter là. Enfin, je sais qu'on l'a déjà dit, mais ouais, ça pète la rétine, quoi. Et je veux dire, même quand il n'y a pas de baston ou quoi que ce soit, bien sûr. Je trouve que vraiment ça pète. Et même dans les... Alors, ce qu'il y a de super cool, c'est qu'il s'autorise effectivement des scènes un peu crues, des scènes un peu trash, mais sans pour autant basculer dans l'horreur, le dégueulasse et le vomissement, totalement, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool.
Par contre, c'est ouais, sévèrement burné, quoi. C'est vraiment le truc. Ouais, mais c'est bien dosé. C'est pas que de l'action, c'est pas que du. Badass, Non. Et il y a effectivement, comme ce tu que, dis, ce que je veux dire, c'est que même quand c'est des scènes à plein, on est vraiment sur du. Ouais, totalement. Tu serres les dents, tu serres les poings, et vraiment, t'as l'impression que ça gueule, tu vois, que c'est enfoui, enfin, qu'il y a quelqu'un qui gueule à l'intérieur, quoi. C'est vraiment terrible. Et du coup, non, moi, je ne peux que vous conseiller cette série. Alors, je crois que c'est les 17-18 balles chez Panini. Là, on en est au tome 3. Peut-être qu'on en sera à plus hein, quand on fera cette vidéo, quand vous verrez cette vidéo. Mais moi, là, en ce moment, si j'ai 3 séries, c'est le Daredevil de Zdarsky, le Venom de Cates et le Hulk de Liebig. Quoi? Bennett. Mais non, de Bennett et Ewing. Et oui, ces trois séries-là, franchement, allez-y, je vais les remettre à Immortal Hulk d'ailleurs. Ah, moi, là, j'ai raté aux 3. Ah, moi, je viens de péter le tome 6 là et. Mais alors, c'est terrible. Voilà, t'as autre chose à rajouter? Sinon, je suis content d'avoir découvert, d'avoir lu quelque chose sur Venom d'aussi. Comment dire? D'aussi complet. Ouais, non, vraiment, franchement. C'est hyper complet parce que c'est un personnage, juste pour faire mon mot de la fin, c'est un personnage qui paraît comme ça, hyper simpliste, hyper badass, parce que voilà, le mec, c'est un méchant, quoi, Venom à la base. Et en fait, ils en ont fait. Enfin, Donny Cates en a fait quelque chose de très très complexe et de très très intéressant et qui augure. Mais c'est ça qui est. Qui ouvre la voie à plein de choses intéressantes. C'est ça qui est dingue, en fait, c'est que c'est à la fois hyper simple et hyper complexe. Ouais, c'est quoi. C'est-à-dire que même lui, sa personnalité, tu sens vraiment que. Quelque part c'est simple, quelque part tu sais quelle décision il peut prendre et machin, mais à la fois c'est beaucoup plus complexe que ce que ça n'y paraît, quoi. Totalement. Et puis voilà, et moi je n'ai qu'une envie, encore une fois, c'est que Kate se mette à Spider-Man, et en particulier sur Miles Morales, je suis persuadé qu'il ferait un truc de ouf. Parce qu'en plus il a ce côté jeune, et ce côté jeune, fun, tu l'avais vu toi à la Comic-Con de Nick Kate? Non. Enfin tu sens que le mec il est... ouais, jeune, dynamique, bourré d'idées, enfin, et bourré de pop culture, enfin, tu sens que le mec fout ses doigts, son esprit partout, qu'il est influencé par plein de choses, et que je pense vraiment qu'il pourrait faire Miles Morales, mais détonnant, mais un truc de ouf, quoi, si c'est pas du Peter Parker. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit du Venom, du Daredevil ou du Hulk, l'important c'est de lire. Et oui, j'ai dit du Hulk. Du Hulk. Oui, tu dis Hulk, toi. Hashtag Deadpool. Hashtag Deadpool. On fait des gros bisous. Eh oui. Lisez bien. Ah, ciao. Allez, bisous.